We are in the world, sir. We are in the world. We are live. Live from Studio Amateur Plus Plus. Ça nous habitue au sang. Of course. Ça fait avec les marins de bord. On calme les loups. Celui qui se plaint peut faire des dons. C'est Yannick qui est gentil avec vous. Mmh. Moi j'ai dit si tu te plains, clic aïe. Clic aïe. Ça y a ton effet, genre. Ça y a clic aïe. Yeah. What have you been going, man? Oh, rien de neuf. Rien d'activité. Oh, on te dit que c'est dans la répétition. On s'habitue déjà, il faut faire le gain, faire les bills, faut payer les bills. Yeah. Les enfants qui veulent grandir là, c'est ça le turn-off. Tu payes les factures. Non mais c'est terrible cette histoire, ça te poursuit genre, ça s'arrête pas. Quel que soit le plan que tu fais, man, j'ai toujours en train de payer une facture. Et ça, c'est pas compter les taxes, c'est juste la facture. Le seul moyen peut-être d'éviter les besoins, c'est d'aller au village, alors non. Oh man, moi je... Même au village, genre, tu dois te nourrir. Yeah, mais tu vois, tu es plus au contrôle de la situation, tu vois, voilà. Si genre, tu viens avec un skill spécifique, ouais, tu as t'en sortir. Ce sont tes besoins, en fait. Les voilà bills. C'est voilà, maintenant, le truc c'est que en ville, il y a un sens que quelqu'un est en fait en train de ouvrir. Tu vois un peu là. Au village, tu sais que tu es en train de payer close du prix net. Ouais. Yeah, bon. Yeah. Si tu veux manger la tomate, là, tu sais que tu dois planter ça d'abord. Tu vois un peu là. Yeah. You are close to the action. Mais en ville, c'est genre le gars te dit, bon, vu que tu n'as rien fait quand t'as planté les tomates là, donc bon, ça coûte 6-7 fois le prix normalement. C'est terrible. Oh man, les bills, shoot. Et après, quand je regarde les gens qui ont le courage d'avoir les enfants dans ces conditions, man. Je regarde les bills qui s'ajoutent car moi je dis en fait, vous croyez que moi je suis pressé pas. Le gouvernement aussi, peut-être genre, surtout au state, man. Ouais, si, ça c'est pas la rigolade de l'année, man. Comment ça? Ça c'est pas la rigolade, man. Les Mandela font les enfants, genre. Et il y a les aides du gouvernement. Man, je pense que les gens viennent faire les enfants au state pour quoi. Man, yeah, c'est pas, it's not enough to justify that, man. Le gouvernement en dingue, c'est le gouvernement. Bien sûr. Pas ça, genre. Bien sûr. Ouais. Mais bon, ça c'est associé à notre sujet. Mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mieux vaut genre tuer ton enfant dans l'un des pays où il aura les meilleurs bénéfices, quoi, souvent. Mais c'est un avantage déjà. C'est l'un des moves les plus stratégiques qu'elles font, je suppose. Ça me rappelle énormément de femmes. On fait ça. Mais bon, don't think I'm judging. That's just smart thinking. That's just smart thinking. Je veux pas que, au moins, genre, si ton enfant décide de vivre ailleurs un jour et qu'il se retrouve dans un problème, tu n'es pas là, il peut tomber à l'ambassade des States et on va juste le rapatrier chez lui. Chez lui. Là. Oh, c'est pas genre les gens qui sortent des pays d'origine comme si tu n'avais pas le grand frère dans le quartier là. Tu viens d'où? On va même te déposer dans le désert en Libye que tu vas faire le reste de la route à pied, man. It's not nice out there, man. It is not nice. Oh, it's very damn well. It is very small so. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Et le débat. Le débat entre mes grands-parents. Faut m'expliquer un peu.
Moi, je dormais carrément pendant toute la semaine. Ils sont juste venus galvaniser leur électorat. Bon, comme tu sais très bien, moi dans la course là, je parie sur le cheval Trump. Tu vois, mais comment on appelle ça? Non, les gars, en fait, les gars sont venus nous disser. Il a dit Make America Great Again. Il n'a pas dit Make Africa Great Again. Moi, tu sais que moi, je n'ai pas de cheval. Dans les deux carrières de Beauregard, moi, je surf les waves, man. Oh. Tes parents sont quand même en Afrique. Man, et moi, tout ça, là. Même si toi, tu t'en fous de toi, genre. Nah, c'est... Man, moi, tu vois, ceux sur lesquels, par exemple, dans l'élection, là, moi, je prête attention toujours. Dis-moi, quand il s'agit de chez nous, et ça vaut pour les élections françaises, ça vaut pour les élections en Russie, en Chine, genre, dis-moi, dans les great powers, là, c'est leur foreign policies, tu vois un peu, non? Les conflits qu'ils ont entre eux, là, genre, ils ne se mènent pas les guerres, là, directement, genre, entre eux. Il se mène sa genre à travers les third parties. Et regarde à quel point la Chine a son emprise sur l'Afrique en ce moment, du moins du point de vue économique. Et l'Amérique a décidé de faire la guerre économique quasiment à tout le monde. So, à agir comme si genre rien n'est en train de se passer, genre c'est moi-même être very careless. Parce que les gars sont en train de se squeeze, man. Chacun fait semblant de ne pas faire la guerre. Je me rappelle qu'en ce moment, il y a beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux. C'est africain. C'est, man, ça, c'est SARS. Le truc du SARS que j'ai vu là. D'abord, moi, je n'ai pas tweeté dessus pour des raisons personnelles, parce que moi, je suis juste un weirdo, je participe au mouvement. Mais... j'ai quand même vu les vidéos que les gars posent sur les gars, quoi. En fait, hein, tous les talks qu'on fait sur le racisme, en fait, on doit arrêter ça, tu vois. On doit arrêter ça, en fait. Les gens on doit prendre au moins un an dans l'histoire africaine, genre, du prochain à venir, là, arrêter d'abord de parler du racisme, hein, et de se regarder nous-mêmes les yeux dans les yeux, man. Est-ce que tu as déjà vu, genre, un Ouattara, là où on est là, en ce moment, depuis ces dernières années? C'est vrai, ils ont tué les gens, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as déjà vu un Ouattara faire juste un oui que tu as vu les gars du SARS là faire à leur propre frère nigérien? Et c'est, genre, le racisme qui est notre plus gros problème. C'est pas, genre, la manière dont nous-mêmes, on se traite entre nous. On veut régler toujours les symptômes, genre, d'un problème qui est plus profond, hein. Et ça, c'est même pas genre les Africains qui viennent d'ethnies différentes. Là, c'est les gens, genre, peut-être de la même ethnie, peut-être certains eux, d'entre eux vivent même dans les mêmes quartiers, man. Et la victime et le policier qui l'a victimisé sont dans le même quad, man. Can you believe that bullshit, man? Et on veut me parler, genre, des problèmes de ceux que les autres nous font, man. Fuck même nos ressources minières, man. Regardons-nous d'abord les yeux dans les yeux, man. Les yeux dans les yeux. J'ai carrément vu des techniques de torture, mais de la créativité de ça, man. Tu ne veux pas accuser la pauvreté? Man, bien, c'est trop facile. La pauvreté est le problème number one dans le monde. Tu vois? C'est number one. Mais, il y a genre, comment on appelle ça? Il y a les choix. Tu vois un peu, non? Genre, il y a certains qui voient une difficulté et décident de devenir, de juste décider que, oh, le ciel nous est tombé sur la tête, on ne peut plus rien faire. Il y a d'autres qui décident même de se tuer parce que, genre, ils ne veulent pas souffrir de ça. Et il y a d'autres gens qui font face à ça, ben, même avec l'assurance qu'ils vont perdre, tu vois. Juste pour dire que, il y a des choix. Tu vois, c'est vrai, il y a la pauvreté. Et le cas du Niger est bizarre, man. Il y a peut-être, pour peut-être un boulot dans le pays, vous êtes à 100 000 ou 10 000 gens à fight pour le boulot là. Et parce qu'il y a tellement genre de supply sur le labor market,
Les employeurs ont la liberté de traiter leurs employés quasiment comme ils veulent parce qu'ils savent que si je t'enlève là, quelqu'un d'autre va venir. Donc, je peux comprendre ça, tu vois. Mais le songe là, c'est les employés du gouvernement, man. N'est-ce pas? C'est les employés du gouvernement. Je ramène encore dans la Bible, tu vois, dans le livre de Proverbes ou de Psaumes, je crois. On te dit, si tu vois un officiel traiter les gens bizarres en mangeant dans les campagnes, ne sois pas étonné, parce que dans le gouvernement, dans les royaumes, ils ont des supérieurs, tu vois un peu, non? Ça veut dire qu'il y a, c'est pas, le SARS là, c'est juste un symptôme d'un problème plus profond, genre au Niger. Il faut un certain level de corruption qui vient du haut pour que, genre, en bas, les gars là se sentent libres de faire ça. Et, man, what? Man, je vois quand. Oh! Non, les gars sont forts, man. Je peux pas, man. Et puis, donc, tout ça, on me dit, genre, il faut aller au problème. C'est un débat qu'on a eu aussi, genre. Tu écoutes ACD sur Facebook. Ah, c'est le vieux lui-même. Oui, ACD. Il a une émission à aller aux gens sur Facebook, genre. Yeah. Les gars, papa, on parlait de ça, genre, c'était un débat, genre, on lui posait la question, genre, pourquoi les policiers et tout ça, les gars, ils bouffaient, ils prennent toujours l'occasion de bouffer, genre, la population, quoi, et ça, les mecs pas simples, genre. Le problème, c'est de bien éduquer les négés, quoi. Et généralement, si tu remarques, hein, les gens comprennent les forces de police et tout ça. S'occuper d'eux, mais... Yeah! D'abord, les gens qui sont en charge de la défense du pays, il faut make sure que les gars n'aient jamais besoin de rien. Il faut écouter Joko. Les gars ici ne payent pas les taxes. Les gars, ils ont les bénéfices en stock. Quand ils se baladent à travers les stages, les gens disent thank you for your service. Ah, mais c'est pas tout, tu vois. Mais genre, ils doivent se sentir mieux qu'un, comment on appelle ça, un regular citizen pour le level de sacrifice qu'ils sont en train de faire. Oublie, il faut d'abord se demander, les gens qui rentrent à la police. C'est les gangsters du quad, man. Pourquoi, en fait? C'est les gangsters du quad. Moi, genre, c'est les gangsters du quad. Moi, genre, c'est les gangsters du quad. Je nous genre ça clairement. C'est les gangsters du quad qui finissent par entrer dans le service militaire ou à la police. Certains parce qu'ils ont eu un mouna, ou certains juste parce qu'ils veulent éviter genre un certain problème extra, ou bien bon, c'est le seul truc qui make sense. Et c'est facile, man. Les gars welcome quasiment n'importe qui. Tu vois, si tu es able, ils welcome n'importe qui. Et si tu considères l'énergie que les frangins ont, c'est l'endroit où ils devraient être, en fait. Genre que le gouvernement sache canaliser toute leur énergie là pour vers des trucs genre plus productifs ou bien pour la défense du pays. Mais bon, les gars sont là-bas, ils sont payés de manière minable, traités de manière minable, benefits minables. Regarde même le respect qu'on a pour eux, juste à cause du mauvais cycle. Parce qu'on sait que ce sont des voleurs et des corrompus, on n'a pas de respect pour eux. Et le fait qu'on n'a pas de respect pour eux fait que les gars sont encore plus sévères sur les gens, là. Et ça, le fait de s'empirer jusqu'à tu vas voir des trucs comme genre, les gars vont venir te faire le projet avec les bouteilles, ou bien genre, t'emmènent genre couper les herbes quelque part pendant toute la journée. Hein. Et ça peut s'empirer jusqu'à la torture. Ah. Mais bon. Ah. En fait, c'est pour ça, quand on parle d'Afrique, c'est pour rire. Hein. C'est pour rire, Yannick. C'est pour rire, man. Ça fait tellement pitié, tu ne peux que rire, man. Ah, mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est bien d'utiliser les hashtags. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans les trucs des hashtags là. Non, mais c'est le way qui se faisait depuis. Mais, alors, yeah, mais ils n'ont qu'à arrêter de faire ça. Dimension, les gens posent ça genre pour stroke leur ego, man. Il pose ça genre pour montrer que genre eux aussi ils sont dans le monde. Fuck awareness, man. Oh. On fait l'awareness pendant depuis des années déjà, man. C'est pas l'awareness qui change quelque chose, man.
S'il faut changer ça, c'est it's real action, not just making people aware. Et puis il faut que les gens soient aware à chaque fois que quelque chose se passe en fait. Parce que est-ce que tu remarques que c'est peut-être parce que les internautes naïgés sont certains des mieux organisés en Afrique, tu vois. Mais c'est pas le seul problème genre de la nature qui se passe à travers l'Afrique. Who cares quand ça arrive genre dans un pays francophone? Who cares quand ça arrive genre dans un pays où le vernaculaire n'est pas nécessairement connu dans le monde et qui ne sont pas sur le net? Ça se passe, les gens postent. Est-ce que les gars là posent ça quand les autres les postent, man? Je ne dis pas que c'est une bonne raison pour justifier ne pas le faire dans leur cas, mais il va falloir qu'on s'asseye et qu'on mette les règles du jeu là claires, man. Que s'il y a la souffrance quelque part, nous tous on en parle, ou bien faut pas venir pointer les gens du doigt quand ils n'en parlent pas. Parce qu'il faut pas choisir ici. Là, il n'y a pas de compétition dans la souffrance. Ah, fuck out of here. Fuck out of here. C'est soit on va s'asseoir, tous les activistes là sur le net, ils vont aller se rencontrer dans un groupe chat quelque part et décider que quand quelqu'un souffre chez... Parce que c'est pas le seul corps policier qui fait ça en Afrique, par exemple, le truc du Sahara. Non, c'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement en Algérie, en Nigeria. Tu vois. Non, il va falloir que les gens get it together. Moi, les trucs où les gens sont les activistes toute la journée là, et après au moment où ça matter, on les voit plus. Comme tous les activistes camerounais, les last elections. What the fuck are these niggas? Je sais même plus pourquoi je propose ce problème. C'est qui se passe au Gabon? Je suis l'Afrique de loin, mais c'est pas parce que genre le truc là m'énerve que je me suis quoi, mais. Mais comment tu les cherches alors? Certains sont actifs. Non, c'est. Ah, mais quand je parle, je suis littéralement ce que je viens de dire, c'est quand même une hyperbole. Il y en a qui sont toujours actifs, tu vois. Mais genre, quand tu considères le volume et le niveau et comment on appelle ça, le sens d'urgence qui existait à l'époque, je parlais à quelqu'un à l'époque et j'ai dit, attends, tu vas voir mieux cela. Ça m'a l'air le plus, ce sont les élections. Non, that's exactly where it matters the least. Parce qu'aux élections, c'est juste genre l'implémentation de plans qui ont été faits depuis des années. Ouais. Tu vois, tu crées la critical mass. Donc, il faut revenir au bout de la chaîne. Ok, on a perdu les élections là. Il n'y a pas de raison de se fâcher. Il n'y a pas raison de quoi, non. C'est quoi les steps qu'on doit faire? Trump a eu le pouvoir. C'est quoi le next, c'est bon.